m'a fait souvent la chose. Alors, est-ce que je ne le fais pas mieux que votre cousine? Et j'avoue aimer le mot. Il n'y a qu'un devoir, celui d'être heureux avec une femme, avec 1000 femmes. Et j'avoue aimer la chose. Nous sommes mariés. L'oublie-tu? Le mariage n'est qu'une monstruosité dans l'ordre de la nature. Si entre chose et mot, je dois choisir quelque chose. Vous n'êtes qu'un libertin, comme Dieu m'a fait. Dieu n'est pas responsable de toutes les horreurs qu'on voit sur Terre. Je suppose que vous êtes mon modèle. Prenez-moi comme modèle de peinture, mais ne me prenez pas comme modèle de conduite. Je vous présente Mohamed. Il a des mains. Oh, ses mains. Vous n'entendez pas comme des cris de cochon? Mais ce n'était peut-être que nous. Deux pater et trois ave, Dieu vous pardonne. Ma fille suivante. Ah, je vous admire, monsieur Diderot. Quelle fermeté d'âme. S'il faut que je pose mon pantalon pour qu'on remarque ma fermeté d'âme. Alors, j'ai rêvé de vous et je vous dévorerai. Expression grandissante de ma fermeté d'âme. Et je l'ai léché pendant des heures. Oh non! Oh non! Des monstres. Et bien voilà, bonjour à tous déjà, bienvenue. Ça fait une semaine que je n'avais pas fait une petite critique d'un film vidéo, parce que ben voilà, j'avais d'autres choses à faire. Par exemple, je jouais un petit peu à des jeux vidéo, j'ai beaucoup d'autres occupations. J'espère que ça va, que tout le monde va bien. Et là, je vous ai redégoté un petit film assez ancien, qui a un petit peu 20 ans d'existence et que vous avez pu voir, qui s'appelle Le Libertin. Le Libertin, alors, avec Michel Serrault, avec Vincent Pérez, Fanny Ardant, Ariel Dombal. C'est un film de Gabriel Aguillon qui est sorti en 2000, donc c'est tout juste 21 ans d'existence. C'est d'après une pièce de théâtre écrite par Éric Emmanuel Schmitt, très grand écrivain d'ailleurs, qui a écrit beaucoup de romans un petit peu spirituels, philosophiques, tout ça, que j'aime beaucoup lire parce qu'il y a toujours le mot savoureux, le sens de l'histoire, de la formule. Et d'ailleurs, c'est lui qui a réécrit et adapté les dialogues de ce petit film. Ça parle de quoi? Ça parle de l'histoire de Diderot. Diderot, donc le grand philosophe des Lumières, le philosophe du XVIIIe siècle, qui est un petit peu chez le baron d'Holbach, ou chez le baron et la baronne d'Holbach, et puis il doit écrire un article sur la morale pour l'encyclopédie, donc il le fait un petit peu en loose day, et pour pas se faire choper par la police du roi, bref, il le fait, et voilà, et donc il réunit comme ça chez le baron d'Holbach. Tout le monde sait que le baron d'Holbach, c'était un des plus grands dispensateurs de l'encyclopédie à cette époque-là, à la fin du XVIIIe siècle, après 1750, tout ça. Bon, il finançait, et puis il doit écrire un article sur la morale, et puis en même temps, il va s'amuser des plaisirs de la chair, parce que oui, son esprit libertin. Alors, c'est avec, le casting est assez savoureux, hein. On a Michel Serrault dans le rôle du cardinal, on a Ariel Dombal dans le rôle de la marquise de Gerfeuille, on a Vincent Pérez dans le rôle de Diderot, on a Josiane Balasco dans, assez truculente, d'ailleurs ça lui va bien, dans le rôle de la baronne d'Holbach. On a aussi même les débuts d'Audrey Tautou, et oui, bien avant Amélie Poulain. Ouais, il faut bien débuter quelque part. Bref, on a un casting qui est assez sympathique. Sur une direction, ça c'est bien dirigé, etc. Est-ce que j'ai aimé le film? Oui, malgré ses défauts, il y a des répliques cultes, il y a une réflexion derrière, et je lui mettrai la note de 7 sur 10. C'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais je trouve que ce film
mérite d'être connu quand même, parce que c'est un... Déjà, c'est un film français, mais français, quand je dis... Je veux dire, ce film pourrait pas être fait ailleurs. C'est pas l'histoire, voilà, on parle quand même librement de sexe, on parle librement de libertinage, donc c'est vraiment une œuvre franco-française qui parle de notre histoire. Après, ça tend à dire que tout le XVIIIe siècle était libertin. Attention, hein, attention. Le monde libertin, le monde des Lumières, des philosophes, tout ça, c'est une petite minorité du XVIIIe siècle. La plupart des philosophes, tout ça, c'était quand même une portion. La majorité du peuple restait très attaché à l'Église catholique, contrairement à ce qu'on en pense, même s'il y avait cette idée de progrès, de lumière, de révolution sociale qui commençait à animer tous les milieux éclairés de l'Europe. C'était pas forcément une majorité dans l'histoire. Mais il y avait ces libertins. Alors les libertins, évidemment, qu'aujourd'hui, le mot libertin, quand on pense à libertin, on pense toujours à quelque chose de sexuel. Mais pas que. Pas que. Libertin, ça veut dire avant tout liberté d'esprit, liberté dans sa tête, pas être attaché à des préceptes. Et c'est très intéressant parce que Diderot, dans ce film, doit écrire un article sur la morale. Et on va voir qu'à plusieurs reprises, il va se contredire, réécrire cet article, parce que bah, la morale, tout dépend bah, du point de vue où l'on se place. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une morale universelle? Finalement, va-t-il réussir à l'écrire? Oui, non. Le film donne une réponse que je ne vous livrerai pas d'ailleurs. Je vous conseille de voir ce film pour cela. Mais ça nous pose une petite réflexion sur est-ce que voilà, est-ce que la morale existe? Est-ce qu'il y a une façon de donner une manière d'envisager la morale vis-à-vis de notre comportement sans trahir nos valeurs, notre comportement? C'est savoureux parce que c'est bien écrit. C'est quand même Erich Emmanuel Schmidt hein, qui réadapte du coup sa pièce de théâtre. Donc tout le monde connaît sa plume, tout le monde connaît sa finesse d'esprit. Il y a des répliques cultes, il y a un humour. C'est assez drôle par moments, parfois un peu lourd, j'ai trouvé. Bon, mais ça reste léger, ça reste un petit peu, ça montre tout le ton du XVIIIe siècle. Bref, je ne me suis pas ennuyé. C'est pas un film long, ça dure à peu près 1h38. C'est pas non plus excessif, c'est un petit film, ça va parfois un peu à 100 à l'heure. On a l'impression que les séquences s'enchaînent. Ça peut déconcerter quelques-uns, le rythme est assez rapide, mais ça va, c'est marrant, c'est délicieux à suivre, c'est bien écrit surtout. Et puis ça montre une portion de notre histoire, même si elle est minoritaire. Voilà, on parle de Diderot, savoir que Diderot, c'était quand même un philosophe athée. Et attention, athée, quand je dis bien athée, l'athéisme, c'était pas quelque chose de très répandu, même chez les philosophes du XVIIIe siècle. Tout le monde sait que même Voltaire, c'était des philosophes qui étaient déistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient pas à la religion, ils croyaient pas au rite, mais ils avaient une appréciation, ils avaient une idée de Dieu. Non, Diderot, lui, était totalement athée, il ne croyait ni au Dieu, ni au diable, ni à rien de tout cela. Et c'est pour cela aussi qu'il avait cette conception de la vie complètement libérée, débridée, on va dire. Mais ça n'exclut pas quand même, et on le voit aussi dans ce film, d'avoir des petits préceptes moraux justement en contradiction avec ce qu'il doit écrire pour l'encyclopédie. Film donc bien fait, qui rappelle un petit peu l'histoire, qui rappelle un peu notre histoire à nous Français. C'est savoureux à suivre, je vous dis, malgré quelques lourdeurs, parfois, vous passez un bon moment, et je trouve que c'est quand même un film qui est assez injustement méconnu à cause de cela. Il est sorti il y a plus de 20 ans. Si vous voulez l'avoir dans votre vidéothèque, je ne sais pas s'il est sorti sur Universciné ou la Cinéthèque, peu importe. Ça se trouve à la Fnac, ça se trouve un petit peu dans toutes les choses, c'est pas un film rare non plus. Voyez-le, faites-vous votre avis. Et puis, si vous aimez le 18e siècle, attention, il n'y a pas de duel à l'épée, hein, c'est pas un film d'aventure, mais c'est un film qui retranscrit bien un petit peu cette époque. Je vous dis, malgré quelques lourdeurs, un petit peu sur le sexe, des fois ça devient un petit peu lourd, mais bon, après ça reste savoureux. Et puis c'est un petit peu une comédie de mœurs légère avec quelques gags un peu épiques comme ça.
un peu en dessous de la ceinture, mais qui font marrer. Moi, j'ai passé un bon moment. J'espère que vous passerez un bon moment devant ce film. Ça s'appelle Le Libertin, ne serait-ce que pour le texte d'Emmanuel Schmitt, qui est un auteur que j'adore. Sur ce, mes aimés amis, je vous souhaite de bien vous porter. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, si vous étiez en vacances. Et puis, on se retrouve pour d'autres articles, pour d'autres avis. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, et à écrire en commentaire ce que vous avez aimé de ce film. Et on se dit à la prochaine!